C'est en bordure de Seine, à proximité de la zone industrielle, mais aussi à côté d'une pâture où pèsent des Highlands, qu'est installée l'aire d'accueil de gens du voyage de Sotteville. Une vingtaine de familles y ont posé leur caravane. C'est sur ce terrain qu'est implanté depuis 1995 le relais accueil Gens du Voyage. Il est 9h, le facteur vient amener le courrier. Et voilà, très bonne journée. Merci, bon week-end. À lundi. Je tamponne tout le courrier qui arrive tous les jours pour qu'il y ait la date du jour sur le fait que... Bah, que les gens sachent à quelle date sont arrivés les courriers, quoi. Et après, je les range dans chaque boîte aux lettres. Il y en a beaucoup ? Des boîtes aux lettres, 689. L'une des premières fonctions du relais est de servir de domiciliation aux gens du voyage. Et pour récupérer leurs courriers, certains viennent de loin. Ah ben là, en ce moment, je suis du côté de l'heure. Je viens de Pontoise, madame. Je suis foraine. Et là, je prends mon courrier là, pratiquement tous les semaines ou tous les 15 jours, ça dépend. C'est utile d'avoir sa boîte ici ? Ah bah très utile. Parce que nous, on n'a pas d'adresse fixe. On ferait comment si on n'avait pas une petite adresse comme ça pour recevoir le courrier ? On serait mal. Surtout que moi, ici, j'ai tous mes papiers de commerce, etc. Et donc, si, j'en ai absolument besoin de cette boîte aux lettres. Oui. Les gens du voyage étant sans domicile fixe, il est nécessaire en fait qu'il y ait une adresse pour recevoir en fait pas que la correspondance, hein, mais vraiment pour l'ouverture des droits auprès de la sécurité sociale, auprès de la CAF. Créée en 1995, à la suite de la loi Besson qui obligeait les communes de plus de 5000 habitants à disposer d'aires d'accueil pour les nomades, le relais a pour but de répondre aux besoins spécifiques des gens du voyage, tout en leur permettant d'accéder aux droits communs. On accompagne les familles pour qu'elles puissent scolariser les enfants, pour qu'elles puissent accéder aux structures de loisirs, enfin voilà, qu'elles puissent utiliser tous les dispositifs qui sont présents en fait sur une commune et dont les habitants peuvent bénéficier, enfin tous ceux qui ont une maison et qui ont une adresse sur une commune. Merci à vous aussi. Au revoir. Bon, les bonjour. Je vous dis ça. C'est toujours l'avis de passage qui est là. Hop là, Lydie, je vous laisse vous installer devant l'ordinateur ou c'est moi ? C'est vous. D'accord, on va tourner. Hop. Depuis 2 ans, le relais est également une maison d'accueil de services au public, ouverte à tous. Des intervenants sociaux y assurent de l'aide dans les démarches administratives. C'est pour le renouvellement de la CME. Voilà. Vous avez ce qu'il faut ? J'ai tout ce qu'il faut. Ils sont là pour nous aider, puis ils sont gentils. Et on fait nos papiers dans l'ordre, quoi. On est obligé. Sinon, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, comment c'est pas les réécrire. C'est toi, Rassas. Lieu de rencontre où se côtoient des voyageurs de toute la région, le centre social mène également des actions en direction de la petite enfance. Allez, au revoir. Salut, Maya. Salut.